Bonjour à tous et bienvenue sur ce Facebook Live pour cette deuxième spéciale de la journée. Vous l'avez vu, on vous a fait vivre en ambiance ce départ. On est ici au départ de la deuxième spéciale de la journée à Califao où les voitures arrivent, vous le voyez, au compte-gouttes. Et avant de passer ce poste de départ, il passe encore un petit... Et encore une autre petite tente où justement... Se passe le contrôle horaire et puis ils arrivent les uns après les autres pour prendre le départ de cette deuxième spéciale qui part, comme je vous le disais, le Califao, qui va arriver un peu plus tard dans la journée à Holmi Capel. L'information qui vient de tomber, et nous l'avons vu en reliant sur la liaison pour rejoindre cette spéciale, c'est le problème technique. On l'a vu dans l'autre Facebook Live du premier au général Joël Marquette, qui a eu un problème. On l'a vu sur le bord de la route, en dehors de sa voiture, avec son copilote François-Xavier, le capot ouvert. Alors on vient d'avoir l'information, c'est certainement un problème de distribution ou de batterie. En tout cas, il a dû rester au bord de la route et puis faire appel à la voiture qu'il a remorquée jusqu'à Calvi. Ça semble compliqué pour lui dans ce tour de Corse historique, lui qui avait fini sur la troisième marche du podium l'année dernière. On va voir s'il se présente à Saint-Florent pour la prochaine étape demain. En tout cas, on vous fait vivre ce départ pour cette deuxième spéciale de la journée. Bébé, il m'a donné ça. Yes.
Je vous emmène voir un équipage qui se prépare. Bonjour messieurs. Je vous voyais, c'est les derniers, vous contrôliez. Qu'est-ce que vous... C'est les dernières vérifications, les derniers... Mais pas du tout, on va prendre le départ, donc on regarde, on se remémore toujours un peu les premiers virages, parce que c'est les plus dangereux, on part à froid, donc les pneus sont pas bien chauds, et il vaut mieux vérifier avant quand même qu'après. Comment ça se passe ce tour de Corse pour vous ? Très bien, on s'amuse, on y va crescendo, donc on va voir, on va essayer d'arriver à l'arrivée à Porto Vecchio samedi, et dans les meilleurs, au meilleur classement possible. On s'éclate. Voilà, vous le voyez, ils vont prendre le départ, ils vont se présenter en tout cas pour partir. Et vous l'avez peut-être vu sur les images, le roadbook du copilote, cette bible où sont notés chaque virage, chaque quel kilomètre, quel type de virage. C'est vraiment la bible, sans ça on ne démarre pas une course. Et c'est vraiment ce qui va permettre aux équipages de se repérer sur le tracé. Et donc, le pilote que nous sommes allés voir tout à l'heure répétait justement, il nous le disait, c'était les derniers instants pour se remémorer ce parcours qu'il a tant de fois lu et révisé. Et voilà, un dernier petit coucou de nos pilotes avant de partir, de s'aligner pour ce départ. Bien sûr, de Castifao, vous nous l'avez rappelé bien sûr dans vos commentaires. Bien sûr, ce n'était pas Castifao, mais Castifao, où nous étions ici pour ce départ de cette deuxième spéciale. Vous aurez bien sûr un point complet dans le journal des sports dès lundi sur ce magnifique Tour de Corse historique. Je vous dis à bientôt.